Bonjour Cédric Doumbé. Alors cette vidéo c'est pour toi et j'espère que tu vas la regarder. Là tu vas rentrer dans le Ramadan, ton mois le jeûne. Voilà. Mais cette vidéo c'est pour toi. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. J'avais fait une vidéo pour ça, Cédric Doumbé, à l'issue de ton combat contre Jordan Zebo. C'était magnifique. Tu étais rentré dans le cœur de toute la France. C'était magnifique. Après ce combat, on t'a ouvert toutes les portes du show business. Tu es même allé à Fort Boyard. Mais Cédric, tu avais fait une seule erreur. Et je pense que je suis le seul à t'avoir dit que mon frère, tu as fait une erreur. Mais tu n'avais même pas pu entendre cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo qui a dû être noyée, mais dans la masse. Parce qu'après ta victoire, c'est-à-dire, tu avais tellement de juice. Tu avais tellement de juice. Mais Cédric Doumbé, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Et tu sais, on dit dans la vie, il ne faut pas frapper un homme à terre. Et c'est là que je vais te rappeler Fernand Lopez. Hein, Cédric Doumbé? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais fait à Fernand Lopez? Est-ce que tu te rappelles ta vendetta personnelle contre Fernand Lopez? Quand tu as exposé Fernand Lopez? Quand tu as humilié Fernand Lopez? Quand tu as, franchement, dépassé les bornes par rapport à Fernand Lopez? En plus, Fernand Lopez, il est Camerounais comme nous. Tu sais, Cédric Doumbé, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, mais je n'avais pas trop insisté. Mais après, tu vois, ça me pesait toujours quelque part. Et je me disais que non, Cédric Doumbé, un jour, il va payer pour ça. Et tu as vu, Cédric Doumbé, comment tu as payé pour ça? Une écharde. Cédric Doumbé, une écharde. Une écharde est venue dérailler ton train. Une écharde est venue faire dérailler ton train. Cédric Doumbé, une écharde. Quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose d'insignifiant. C'est cette chose-là, ok? Tu vois, c'est cet objet-là. Cet objet étranger qui est venu t'empêcher d'aller au terme de ton combat. Pourtant, c'est toi-même qui te présentes toujours comme l'homme le plus fort du monde. Et c'est une écharde. C'est une écharde. T'as vu Cédric Doumbé? T'as vu la justice de Dieu, mon frère? C'est comme ça la life. Rappelle-toi de ça, mon frère. Il ne faut jamais taper un homme à terre. Fernand Lopez, il était déjà à terre. Tu vois, quand tu as mis Jordan Zebo KO, Fernand Lopez, il était déjà à terre. C'est-à-dire, tu n'étais pas obligé de l'humilier ce jour-là, après ta victoire. Parce que, en fait, au final, tu n'as même pas savouré ta victoire. Tout ce que tu avais savouré, c'est la vendetta personnelle que tu avais contre Fernand Lopez. Et je ne sais pas pour l'intérêt de qui. Bref, mon frère, j'espère que, franchement, tu as retenu cette leçon. Le talent, ce n'est pas ce qui te manque. J'espère que tu as retenu cette leçon. Une écharde, un tout petit morceau de bois, c'est-à-dire un tout petit morceau de bois presque invisible à l'œil nu, a fait dérailler ton train. Oh là là.